C'est parti. Bonjour à tous, chers téléspectateurs de la Fondation Maloua Télévision. Encore une fois, très heureux de vous savoir très nombreux devant vos postes et téléviseurs pour suivre ces FM débats. Et aujourd'hui, ça s'ouvre avec beaucoup de sujets. Conflit d'intérêts entre les nominés et ceux qui seront nominés, hein, concernant aussi cette nouvelle. Il est nouvellement nommé informateur pour la nouvelle composition du gouvernement. Il s'agit bel et bien d'Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS. On va en parler aujourd'hui. Et ça sert un bruit, plutôt ça sent un bruit, allais-je dire, financier à l'EPST. IGF boucle le bureau comptable de l'EPST. On en parle aujourd'hui. Conflit entre l'IGF et le ministère de l'EPST. Ça va notamment se parler aujourd'hui. Nous allons aussi prendre le réaménagement au niveau du gouvernement Ngovila. Le gouverneur de la ville province de Kinshasa a finalement réaménagé son gouvernement pour nommer des nouveaux gouvernants et des ministres au sein de son gouvernement. On va commencer d'abord par cette défaite des léopards, et entre le pleur et la joie, on ne sait pas. De l'autre côté, il y a la guerre à l'Est, de l'autre côté, c'est aussi la défaite et l'élimination à la Coupe d'Afrique des Nations. Je m'en vais. Déjà, ils sont sur ce plateau. Lionel Mbolo, Fifi Kalungwe et Rick Dinonze Yalengoma, à qui je m'en vais saluer. Bonjour. Bonjour. Déjà, je vais le premier sujet. Bon, ce n'est pas notamment un sujet, mais nous devrions quand même donner notre point de vue. Yalengoma, vous avez suivi les matchs hier. Et ça, de l'autre côté, on tue, mais vous ne disiez rien. De l'autre côté, on pensait que ouais, vous allez à la faveur d'un Bisso, malheureusement, Toza disqualifié. Ouais, Toza disqualifié, mais Toza par contre éliminé pour la finale. Bah, Léopard Barbeta, ils ont un match à jouer, je crois le samedi pendant la 3e place. Babunda, Mibali, dans un match à football gagnant à la Kamoko. Ils ont mouillé le maillot, c'est la première défaite de Léopard et c'est. C'est cette première défaite qui nous élimine aussi de la course pour la finale. C'est normal. Par contre, je reste dans la logique. Il y a Tango Bazaliko hymne national avec le signe du CDP Bakambu. Bazaliko Bomabiso Mebozo Lobilo Routé. Ça prouve à suffisance que tous les joueurs de l'équipe nationale ont le même souci. Au Bissot aux Alaranango chaque jour, parce qu'à chaque fois que nous parlons de la situation sécuritaire à l'Est, Tolobara, c'est communauté internationale, Batalara Bissot sans dire un mot, et cette grande tribune du sport, et là qui quand même place au moment où il fallait faire valoir inquiétude du peuple congolais, et là c'est vrai, ils ont tweeté, tiens ma page Instagram, mais quand même demi-finale. Avec tous ces partenaires qui étaient présents à stade, ils ont quand même vu que les Congolais ont tombé la Mongongo pour nous relâcher ça. Que nos kilomètres ont monné au Zélie au Sala, dans la République, dans l'Est et la République démocratique du Congo, mais dans l'Zélie au Sala, communauté internationale, les Zélie ont réagi. Donc c'est quand même un signal fort et il reste maintenant à ce que Kambi, Bayeba, dans la mesure du possible, nous allons mettre en place pour que. Merci beaucoup Alain Goma. Même question est par Ruth Dinonzei. Point de Vinayo, Léopard éliminé. Et est-ce que les ajustements souhaitent au Falaki Tozela par rapport à Oluja Tozanango comme deuil de la partie Est de la République démocratique du Congo? Merci Elvis Metti. Les Léopards te perdent qui match il y a demi-finale et empêcher Bissoto Beta. Final, oui. Mais qu'à cela ne tienne, tu es bêta pour que tu sois meilleure place qu'il y a troisième. Tu es sûr dans le Léopard que cela ne nous distrait pas. Tu es si ma équipe, nous allons continuer à soutenir notre équipe le samedi, tu es bêta. Parce que l'engouement qui a eu, le jour il y a victoire et Léopard pendant cette compétition, et là qui s'est dit qu'on l'a très déterminé, et puis la demi-finale, c'était une preuve de force pour l'Axaké, on nous tue. Et nous compatissons avec nos frères, mais nous allons ramener la victoire ou encore la coupe. Contrairement, est-ce que ils ont déjà eu une perte quelque part? Bon, le message est passé. Le message est passé, bien que les images à la télévision, Bazaïk, on voit plus plein de coupes côté ivoirien, Bazaïki, mais Congolais, Lakisaki, quand même, que nous avons un mal destructeur.
qui est en train de ronger la République démocratique du Congo, c'est le M23 qui fait couler les sangs de nos frères et sœurs. Bah, Obazaki, Oana, Bamonaki. Bien que télévision, Bango, Ezaki, RTNC, Ezaki, qui retransmettre l'image, Ezaki, aux plus, bah, ils voient rien vraiment. Et c'est ça m'a fait un regret, Nabi. Pourquoi ne pas prendre Moutou Azolé, là, n'a pas si par toi qui n'a pas si n'est, te eko bêta. Mais nous avons un grand problème, Bandiro Nabiso. Félicitations à nos forces armées. Ils ont pu quand même Kobunda pour qu'ils aient récupéré ça qui depuis depuis hier. Moi qui m'ai dit que René par rapport et attention, ils ont dit le week-end passé, en tout cas, tous les sima ma pinga, tous les sima ma léopard, pour que mon cannabis bendele eko atende tolobaka. On nous tue, mais personne ne parle. Nous allons continuer à hausser les tons pour que la paix soit recouvrée en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Rito Dinozei. Lionel Ngolo, vous êtes déjà un habitué à sport. Et ma question est, oui, comme observateur Nyoso, vous avez regardé le match, ça se comprend que partie à dénonciation à Léopard, ils allaient vraiment démontrer. Est-ce que, point de vue, parce que d'autre part, les gens pensaient que Ndeti Salamara en Ukraine, un an justement, il y a des interventions venant de part et d'autre, deux ans aujourd'hui, et depuis plus de 26 ans, RDC, sans pour autant même avoir compétition, Montolingito, 7 ans, ou bah, s'impliquer à la communauté internationale, mais on a quand même essayé de dire quelque chose, mais Bazo est tout fait bisonné sournoisé. Déjà, il faut commencer par séparer le sport à la politique, puisque je crois que je ne ferai pas contredit sur ce plateau. Mmh. Le sport est apolitique. C'est vrai pour nos joueurs, les messages sont passés, mais ce n'était pas pour moi, à mon avis, l'endroit pour exprimer et tout cela. Et même quand vous avez cité l'évasion russe, voilà, Ukraine, ça fait des ans jour pour jour. Vous allez voir, nullement, la FIFA a accepté que ces réclamations, les messages passent par un match de football. Donc, il faut déjà séparer les sports. Voilà pourquoi la CAF n'avait pas autorisé au diffuseur principal de la CAN de prendre ces images partout. C'était brandit, génocide à l'est de l'RTC, tout ça. Donc, c'est déjà pour séparer. Je crois que la CAF a été généreuse avec nous. C'est là qui refusait. Pourquoi est-ce qu'il y a après qu'on a accepté le, non. C'était une négociation. Biso Tolinga qui. J'ai même appris correspondant sur place au Sénégal qui coûte plus que Yango, il fallait un moment bakata match pour observer ces moments en mémoire. Il y a Magambeli Kakuna, la CAF nous a juste autorisé d'ailleurs à nos joueurs Balata Brassard noir. Et ça, le Maradjan, le football, on le voit un peu partout, mais après, quand même, oui, là, c'est la FECOFA qui a fait la démarche d'aller solliciter à la CAF. C'était, il y avait beaucoup de choses, mais la CAF a finalement accepté que nos joueurs, dans la brassard, en signe, il y a deuil pour observer une pensée, une bande de quoi on a parti à Est. Mais après, la CAF n'avait pas autorisé l'initiative. Pendant le national, tout le monde va jouer à la Bissau, Bassala qui gère Sewana. Ça a été une initiative, d'ailleurs, Bassala est sur le champ, mais la CAF, voilà, de manière inopinée, la CAF, en tout cas, était même surprise, il y a tout ça. Donc moi, je pense que c'est très mal placé aujourd'hui de créer la liaison entre ce qui se passe. Je crois que c'est une situation politique. Cette guerre dans la partie, on l'a toujours dit, c'est une guerre politique. Il faut laisser aux politiciens résoudre ces problèmes. Je crois, lors de l'émission précédente, on était sur ce plateau, on avait, moi pour une fois, je me suis dit, il faut établir des responsabilités. Nous avons un président de la République, nous avons un gouvernement pour sécuriser cette partie. S'il faut opter la voie à négociation, ça l'a un mot, à moins qu'il faut faire la guerre, puisque on était d'ailleurs nombreux ce jour-là à accepter pour une fois qu'il y ait tout ça la guerre na Batou, Bazali, Simabitoumawana. Il faut le faire. Tout y a balé qui n'est lingué et salamakame. Pour moi, mettre un point de vue, je crois qu'il n'y a aucun rapport sur le résultat qu'on a escompté hier. Donc, on a perdu puisqu'on avait en face une équipe de la Côte d'Ivoire qui a été plus réaliste que les RDC. Même si on va quand même reconnaître les bons parcours de l'RDC tout au long de cette 34e Coupe d'Afrique des Nations. Mais moi, j'ai un peu de regret par rapport à l'entraîneur. Parce que moral, la gestion. Sur la prestation, je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. On a vu, l'RDC a été dominatrice lors de la première période. L'RDC a eu des occasions nettes pour tuer déjà, semer les doutes dans le cas des Ivoiriens. On n'a pas réussi à le faire. Ça a été les péchés qui ont l'équipe de l'RDC tout au long de cette compétition. On jouait bien, mais on n'arrivait pas à marquer. Justement, le manque de réalisme, c'est ce que je suis en train de dire. Okay. Les sessionnaires, à mon avis, devaient travailler cet aspect
Et pour une équipe qui avait beaucoup d'occasions dans les matchs, on a remporté qu'une seule victoire. Imaginez-vous, elle est mise dans une compétition, on a joué plus de 4 matchs, c'était un problème. Donc le sélectionneur n'a pas réussi à résoudre ce problème. Encore une fois, depuis hier, on a été moins bon devant le but, on n'a pas mis en danger nos adversaires, alors que la Côte d'Ivoire a profité de ces moments forts pour marquer ce but de la rencontre. Et qui a permis à la Côte d'Ivoire de faire l'éducation. Je termine par en disant, comme Ridi Nanger l'a dit, et maintenant, je crois, Sébastien Desabres et ses hommes ont maintenant la dernière opportunité, la dernière occasion de sauver leur parcours dans cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est d'aller nous chercher cette troisième place. Et la médaille de bronze est extrêmement importante, je le dis comme ça. Donc, c'est à Sébastien Desabres de corriger ce qui s'est passé hier et de nous présenter une très bonne équipe compacte pour aller arracher et face au Fana Bafana de l'Afrique du Sud. Je rappelle, ça ne sera pas un match facile pour la RDC. Avant de passer avec Phil Kaloumoué, j'aimerais un peu expliquer Bissot cette preuve de maturité qu'a fait preuve les Congolais, surtout les Kinois en particulier, hein, parce qu'on est beaucoup plus habitué aux joueurs. Bah, message moraux à bah, propos diffamatoire à l'encontre et à bah, Léopard et à bah, joueurs. Mais on sous-entend qu'on ne sait pas, ce gars peut-être fièvre et à. Il y a psychose, il y a tout ça, il y a guerre, il y a Est à RDC, on sous-entend et on remarque que quand on est un peu beaucoup plus mature et pour encourager bah, le pas malgré des faits, bon, bah, plus attentionné au même arrivé. Je crois qu'on va faire vivre à nos téléspectateurs ces reportages qu'on a réalisés hier grâce aux moyens techniques des Rabi Fouka. On a fait quelques rides de Kinshasa, mais là on a connu un sérieux problème, c'était sur l'avenue la 4e saison à Matongue, je crois. L'avenue du stade, voilà. Allez, voilà, finalement, je n'avais pas de tort. Donc, on a réalisé ces reportages dans des conditions très difficiles, puisqu'il y avait en face l'acharnement des supporters congolais qui n'ont pas accepté, qui ont du mal à digérer cette défaite, qui nous ont même attaqué, vous imaginez. Si on peut quand même avoir cet élément. Hein, non, je crois peut-être que l'élément est prêt, mais peut-être ça peut venir après, si vous le voulez, peut-être le temps que ça arrive à la régie. Mais, donc tout ce que je voulais dire, on peut comprendre, ça fait très mal. On est tous congolais, et les souhaiter de voir notre équipe aller discuter cette finale. Et ça fait beaucoup d'années depuis qu'on a remporté à l'époque des Aïrs, 68, et puis on a fait le miracle en 74. C'était quand même le temps pour nous encore de revivre ces moments, mais c'est la difficulté qu'on a connue. On a essayé de faire quelque chose, même si c'était très difficile. Il y avait des injures à l'endroit des autorités, ce qu'on n'a pas apprécié. Il y a la colère, il y a tout ça, mais ça n'explique rien de la défaite. Est-ce que cet élément est prêt? Si possible, si ce n'est pas prêt, je pense que Lionel, c'est fini. Hein, ce que oui, tout à fait. Merci beaucoup. Je vais aussi prendre. Mais ils vont suivre les reportages ce soir au journal. D'accord, ça c'est sûr. Ça c'est promis. Une patriote très engagée. Je vois déjà Naba Port, Naba Support, Naba Nostou. C'est signé la RDC et ça montre l'engagement et le sens patriotique aux Alambourganaux. Une défaite. De l'autre côté aussi, une déception parce que les gens meurent du jour au lendemain. Je veux aller comme Lionel. Avant toute chose, je vais d'abord féliciter les joueurs, le Léopard. Je ne suis pas vraiment le match, surtout quelque chose qui a trait à mon intérêt fois, également. Hein, non, je n'arrive pas. En tout cas, je viens de faire le kit, je ne suis pas. J'ai suivi quand même la 28e minute. J'avais trouvé ce joueur-là, on l'appelle Issa. Voulait marquer un but. C'était hors-jeu, mais sinon, c'était déjà un but. Mais refoulé par le gardien. Il y a beaucoup d'occasions ratées aussi. Quand je vis ça, je me suis dit que non, ce match est trop chaud, je ne saurais pas suivre. Je suis allée jusqu'à la fin, ne pas supporter. Mais à la fin, quand je me suis dit, depuis toute la journée d'hier, je me disais pourquoi on mélange les sports et la guerre de l'Est, on en parle. Mais ce n'est pas la politique comme dit Lionel. On en parle au même moment. Je me demandais pourquoi. Hier, j'ai suivi quelque part, on dit, pendant que les gens meurent à l'Est, les présidents de la République s'apprêtent pour aller suivre la demi-finale en Côte d'Ivoire. Il y a eu des messages comme ça. Moi, je félicite ces joueurs de Léopard. Je me dis, ils sont forts. Ils étaient comme les élèves qui voulaient, un élève qui veut sortir premier de la classe afin de faire plaisir à ses parents ou encore à sa famille, mais buté par un souci dans son cœur qu'il n'a pas pu. Mais sinon, ils étaient très intelligents, ils ont exprimé vraiment, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire sur terrain par rapport à l'ère de marche depuis le début jusqu'à arriver en demi-finale, c'est déjà grand chose, même s'ils sortent en demi-finale, c'est déjà grand chose. Le problème, c'est que et le col à moi, je vais dire ça. Moi, oui, mon voisin, papa Koufi, ton maman Koufi. Ah, ok, ça, l'examen d'état. Bino Bozo rappela, au moins, nous avons maman Koufi, hein. Papa Koufi, non.
même ces joueurs-là, ils sont conscients qu'il y avait la guerre à l'Est. Paradigme, mais je me dis, aussi, ceux qui peuvent couper, même si pas qu'il y a la finale, bah, il n'a pas réfléchi déjà que coupe en Zengos à la dédiée à nos compatriotes de l'Est. Mais les gens ont analysé mal les choses, bah, c'est comme si ne fallait pas attentionner à la focaliser dans la canne et à la carte à focaliser dans la guerre à l'Est. Guerre des Lyonnais dans le monde, les Lyonnais l'obité, ils ont la gata. Et puis je ne pense pas que même les dirigeants Yamboka, Obala, la Kimia Yamboka, Yakoyoka, guerre qui est battue, Okufakuna, Bambou et Utokokoya, Awa, et souleva qui, Kolobama, Yamoutounion, tout le monde était vraiment dérangé par rapport à ça, parce que Bakoufaki, on a vu les déplacés, lobby dans la ville, Moussous, Bakbazo, Kima, Wakotagoma, tout ça, parce que tout le monde est choqué. Et puis ça fait mal, parce que ce sont nos compatriotes qui sont là, mais seulement mariage, tout ce qu'on a fait comme cérémonie, là, on a un détail. Moi, personnellement, je n'avais pas aimé. Parce que je me suis dit, si Kawa qui n'a aucun déversé, passe devant sous à part un dirigeant, n'a pas autorité. Oui, à part les dirigeants, quand on dit les Congolais, c'est pas seulement les Kinois, ce sont même les Congolais. Oh, bah, on déversé, va passer devant par rapport à la situation. Oh, bah, on fait, c'est pas bande qu'on a mis sous. Oui, mais ça ne nous empêche pas aussi de faire certains pas. Ça ne nous empêche pas aussi de faire autre. Même maintenant, les Andes Balia, Kaka. Merci beaucoup. Donc, je vais. On prend d'abord une image, cet élément. Je peux ajouter un mot. Allez-y, rapidement, s'il vous plaît. Je vais m'adresser d'abord à Lionel, à Salah Mambé Sport. Tango, IFA, Ninito, FIFA, Bakot Sarabana, Nabastad, disant que. Halte au racisme, quand on appelle, voilà, quand on appelle les joueurs noirs les nègres, c'est-à-dire que ça ne touche pas seulement ces joueurs. Ça touche tous les noirs de la planète. L'UEFA a voulu. L'UEFA voulait suspendre la Russie. C'est la guerre avec lui. Allez-y. C'est la politique. Non? Mais l'UEFA va nous faire quoi dans la décision, à chercher à avoir une décision contre la Russie. Le diffuseur principal de la CAF, nous connaissons tous, je ne veux pas faire sa publicité ici, c'est un Français. Les Français sont des mèches avec Kigali pour la guerre de l'Est. Ils ne veulent pas diffuser le message des Congolais. Qu'on ne se voile pas. On doit se dire la vérité. L'hymne national, l'hymne nation est sacré. On a diffusé combien de secondes de l'hymne national on a diffusé de la RDC. Combien de secondes de l'hymne national qu'on a vu, tout le monde a suivi la rencontre. Quand tu vois par la face, le diffuseur principal, c'est la France. La chaîne qui diffuse la CAN, qui a l'exclusivité de la CAN, c'est la France. La France est des mèches avec Kigali. Allez, on va la logique, c'est quoi? La logique, c'est quoi? La logique, c'était de ne pas faire passer le message de la RDC. Merci beaucoup. La logique, c'était ça. L'UEFA voulait suspendre la Russie parce qu'il a fait la guerre à l'Ukraine. Ça n'en parlons pas. Qui en a parlé? Parce que c'est la RDC. Comment nous pouvons même le temps de voir notre hymne national? Notre sénat pour ce qui est le moi. Parce que le diffuseur est français. Il doit nous empêcher de suivre notre hymne national. Non, bon sang, soyons sérieux. L'hymne national d'une nation est sacré. Soyez tolérant. L'hymne national d'une nation est sacré. Acceptez aussi, vous voulez. Acceptez aussi qu'on fasse la même chose. Depuis le grand frère d'Israël, où est-ce que vous avez vu les supporters comme elle? Soyez tolérant, juste en 30 secondes depuis la compétition. Combien de fois on a privé aux supporters de vivre l'hymne national de RDC en intégralité? Il y a les gens qui ont imposé qui étaient anti-sportifs. Ça n'a rien à voir. C'est ces gens qui ont évidemment parce que ça atteint ce qu'on appelle le niveau géographique. Est-ce qu'on peut d'abord revivre une image et puis on revient juste après? Merci beaucoup.
C'est donc terminé. La RDC n'ira pas jusqu'au bout. La RDC ne disputera pas la finale de la 34e Coupe d'Afrique des Nations. La RDC tombe ce soir devant les éléphants de la Côte d'Ivoire sur un petit score de 1-0. On rappelle ce but qui fait très mal à la RDC est arrivé à la 65e minute par l'attaquant de Borussia Dortmund qui a évidemment déconcentré l'équipe de la RDC qui a pêché encore ce soir sur la finition, on va le dire. Ça a été le défaut de la RDC tout au long de cette compétition. Mais vous voyez devant moi le public congolais de partout qui rentre très affecté par rapport à ces résultats de ce soir. On rappelle, la RDC est éliminée. Je vais vous proposer évidemment d'écouter quelques-uns de supporters de la RDC qu'on a croisés et qui pourraient, malgré le score, trouver les mots évidemment pour féliciter le parcours de la RDC. C'est que les hommes de Sébastien Desapes ont pu proposer jusque-là. On va les écouter. Je vais te bien, ma campagne, c'est une équipe posée, mais courage n'a pas le léopard. Le monde a bien son mère, et bah, tu as les places, tu as un courage, gaga, bravo. Je suis fier de payer Nangaï. Les Congolais ont dit que tu es au commun niveau, mais tu es comme. Le football est en réalité, nous avons trois résultats. On va noter également ce parcours élogé de la RDC qui est sorti de la phase des groupes. La RDC qui a terminé en deuxième position. On rappelle la RDC qui n'avait pas remporté ce match. Cette équipe de la RDC a réussi à sortir l'Egypte voilà, lors des huitièmes de finale avant évidemment d'éliminer ensuite la Guinée. Ça a été la seule victoire de la RDC dans cette compétition. Et ce soir on note la défaite. Ce soir on note la RDC. Les Léopards sont tombés. Même si évidemment on va saluer ce que les joueurs ont démontré sur terrain, mais surtout avant les coups d'envoi de ces matchs, la pensée piège, cette observation en mémoire de Congolais qui tombent de la partie Est de la République démocratique du Congo. On vient de suivre cet élément proposé par Lionel N'Golo. Une minute. Je commence avec vous, Alain Goma, pour vous. Je pense que Lionel a ça la sport. Exactement. Le département sport, ah ouais, ils ont un bon avis. Russie disqualifie l'éliminatoire à Qatar parce qu'il a fait la guerre avec l'Ukraine. Est-ce que c'est politique? Tout la politique. Il faut séparer le sport à la politique. La guerre russo-ukrainienne, c'est une guerre politique, ce n'est pas une guerre sportive. Pourquoi la Russie a été disqualifiée? Après ça, Bissou, regarde. Allez-y. Je réponds à la fin, je vais vous mettre dans les temps. Vous avez raison de le dire, mais moi je vais quand même vous préciser, en parlant de la guerre de la Russie, il y a cette guerre a eu des répercussions sur le championnat ukrainien. Les championnats ne pouvaient pas se poursuivre, les championnats étaient arrêtés brutalement, il y a même des joueurs qui ont arrêté leur contrat, ils étaient en plein contrat avec certains clubs ukrainiens, ils étaient obligés d'aller. C'est une guerre politique, mais qui a des répercussions sur mais ça. Dans la partie est, quel est le championnat qui est organisé là-bas? Vous n'allez pas me répondre. Deuxièmement, mais la CAF a accepté. En football, on le sait, s'il y a des réclamations, s'il faut passer un message, s'il faut arrêter un décès, voilà, ça c'est pas toujours pas le port d'un brassard. Et c'est ce que la CAF a accordé à l'équipe de RDC. Ce n'était pas la tribune pour faire la politique. C'est un peu de football qui n'a une durée déterminée, réglementaire, 4 minutes de football. Vous voulez tout réclamer alors qu'on a tout le temps pour le faire. Je l'avais dit ici, tant qu'on connaît l'adversaire qui est en face de nous, arrêtons aujourd'hui de passer derrière les gens, ne citons pas la CAF aujourd'hui. Évidemment, et pour compléter ce que Fifi disait à l'instant, moi je crois que c'est la pression négative qu'on a mis à nos joueurs par rapport à cette situation. Les joueurs en font, ils vont s'arrêter leur entraînement pour passer des messages, tout ça a pesé à jouer à quelque chose. Alors que c'est une guerre politique, moi je crois, pour une fois, laissons nos politiques, nos responsables, nos dirigeants, résoudre cette situation. Merci beaucoup, vous êtes de partager, c'est une guerre politique, c'est là. Lionel N'Golo, les joueurs ont fait office des militaires pour être plutôt démoralisés. Ça, c'est le dire de Lionel N'Golo. On va prendre cet élément, encore ces sujets, entre conflit d'intérêts, priorité nationale, l'ère de choix à sonner. Je vais commencer justement avec vous. Non, je vais commencer avec vous, Lionel N'Golo. Rapidement, il faut prendre la parole. Augustin Kabouya, nommé par le chef de l'État, informateur pour la nouvelle composition du gouvernement. Ça ne me surprend pas puisque c'est aussi un poste avec une mission, je vais dire, très importante, puisqu'on le sait tous. La tâche qui attend Augustin Kabouya, c'est d'identifier la majorité au niveau du Parlement. Il va conciter des groupes
parlementaire, il va avoir des partis politiques, c'est important. Voilà pourquoi le chef de l'État, pour une mission aussi importante qui a beaucoup d'enjeux sur ce qui sera le prochain Premier ministre et son gouvernement, il ne peut que désigner quelqu'un de la confiance, qui a entièrement sa confiance. Quand on regarde Augustin Kabuya, comme lui-même l'a dit, c'est le premier responsable du parti présidentiel de l'UDPS. Moi, ça me surprend pas sur les choix, mais moi, tout ce que j'attends de Augustin Kabuya, c'est de nous faire un bon travail, d'identifier voilà, la majorité parlementaire, mais surtout pour nous amener à une bonne désignation d'un Premier ministre qui sera capable de faire des propositions au président de la République et nous présenter un gouvernement qui, pour une fois, va porter à cœur la situation des Congolais. Merci beaucoup, Léon N'Golo. Ruth Dinanzi. Il est nommé pour faire office d'un informateur dans le but de composer le prochain gouvernement. Est-ce que Augustin Kabuya a-t-il des capacités pour faire un bon casting au groupe sa chef de l'État, meilleur mandat de l'histoire? Bon, à mon avis, je sais que M. Augustin Kabuya, qui est élu du Mouamba, c'est un acteur politique bien outillé auprès du feu sphinx de l'immédiat, Étienne Tshisekedi, mais n'empêche que la population puisse souffler à son oreille qu'il a une mission lourde. Il a été compté parmi ceux qui décriaient le dysfonctionnement de la gestion de la République pendant plusieurs années. Et dans un grand parti de l'opposition, aujourd'hui qu'il a la balle dans ses pieds, qui se rende compte de toutes les revendications qu'il faisait en son temps. Aïebake, Mboka, Izotalae. Soga Salima a un sentiment congolais, a foutu sa ramoutou, oh, il a joué. Ce que quand ici que les lots au bébé si lobby n'a pas le canard n'a qu'un mot reboué tout le monde a élection. Ah, le peuple congolais n'est plus naïf, c'est un peuple qui est devenu mature. Toléki n'a quatre cycles électoraux, quatre cycles électoraux et pessi batou boignant ya koye ba qui et qui ba discours oyo et des discours séduisants démagogiques n'ont plus de place na tête ya ba congolais. Qu'il identifie bien cette majorité-là à l'Assemblée nationale pour la formation du prochain gouvernement. Soit ça lui sentiment parce que, oh, ça, moi, je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps, et que tu as la qualité, tu as la qualité, tu as la qualité, tu as la qualité, tu as la Congolais, tu as la qualité. Des milliers de Congolais, tu as la qualité. Nous avons besoin aujourd'hui des ministres, mais tout est au salamalam. Aujourd'hui, nous avons la situation humanitaire qui est catastrophique. Qu'est-ce qui est fait? La Sony, qu'est-ce qui est fait? Qu'on se le dise. Batouba Zindi Namai, Bazangi Bisika Kokende, Bana Batanga Kate. Même l'identification Kaka, il y a Banana par le ministère de l'EPST n'a pas été faite. Bazo Boako propre car le ministère Moko. Nous avons besoin des gens au Bazana souci en Boka, na ya peuple congolais. Ce qui est c'est qu'on a besoin des gens au bas d'un impact devant les rassemblements politiques. Ne place au yé à Kodindisa. Mayele Yakotomamboka. Merci beaucoup, Ruth Dinanzi, Fifi Kalumbwe. Père Kumbo, ça peut passer à Bissot, Makanisnaye. Tout le monde, ça fait preuve. Il y a grande responsabilité que la gestion est partie, que l'Union sacrée, qui nous a informateur pour lancer la nouvelle composition du gouvernement. Déjà, par rapport à l'engagement, on a la responsabilité précédente au Augustin Kabuya Zalaki Nayango. Ils ont coupé sa caricature à Mutumoko et Sengeli Penza pour Kakamba. Mission menée Néona. Question, on a non répondre par oui ou par non, parce que lui-même dans ses propos, il a dit qu'il va rencontrer ceux qui ont déjà travaillé comme informateur pour que Azouamaïli. Donc lui-même déjà est conscient que ils ont chargement mené le bâtiment du Kolam à Pekanaï. Mais personnellement, on a évité. Et puis, il y a un peu de temps, 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 il y a un poste. Donc, il y a un poste, vu le contour, il y a une élection, il y a un nous reconnaissons tous, il y a un formateur, pour ceux qui sont partis de mon côté, et atteignait qui majorité, il y a moins à faire qu'aux informateurs. Mais
yé informateur au bâtier siko na contexte ya makambu nengezo kendela. Je me dis parmi les membres qui vont accompagner l'informateur, qu'on essaie un peu de renforcer les capacités hein, dans les cadres, selon les membres, pour tranquillité, la paix sociale. Hein, la paix sociale, voilà, sinon on risque de causer un bébé. Vous savez, l'UDPS, c'est vrai, le secrétaire général de l'UDPS à Gérard, l'UDPS bien, mais nous savons comment est-ce que. Est-ce que chef de l'État parce qu'ils ont revenu la compétence là, il avait un pouvoir discrétionnaire chef de l'État choisir peut-être la personne à moi ou à mieux placer pour leur payer ça bon rendement et à mission ou y a pessinaï. Mais est-ce que ça qui est important ou opportun c'est ça aussi le problème. Voilà aussi si comme vous savez l'union sacrée est amenée. L'UDP c'est dans l'union sacrée. Bah l'union sur ce côté là format qui déjà 400 députés hein l'assemblée sur les 477 ouais qui 400 déjà. Donc l'union sur ce côté là nombre ouais bah fort il y a l'union sur base de l'union sacrée. Et on a le Mexique. Que ce n'était pas l'attente, Augustin Kabouya. Bon, comme il est désigné, il dit qu'il va consulter, à travailler, ce que moi je peux lui demander. Ce ne serait pas le tâton. Il a dit qu'il va consulter, s'il va travailler. Il n'a que 30 jours. Il n'a que 30 jours, renouvelable une fois. Et puis si les attentes ne sont pas coquilles, donc il y a comme la dissolution, il y a un parlement à Colonaïe. Donc il faut vraiment qu'il travaille à fond. Moi je demande à ceux qui travaillent, qu'ils consultent tout ce qu'il peut consulter, tout celui qu'il peut consulter, en tout cas équilibré Zala. Quand que à tenir compte dans le développement et la République, parce que le président de la République lui-même dans son discours d'investiture il a même dit qu'il va travailler avec les opposants, donc qu'il tienne compte des compétences, des compétences qu'il tienne compte des qualités de personnes. C'est un informateur, il va avoir l'expérience, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, oui. Dernière question, qu'il fasse quelque chose qui va plaire à la République, parce que déjà voir le président, bien qu'il était candidat indépendant, mais il est membre de l'UDPS, personne ne peut les refuser, et lui aussi en tant que secrétaire général, quelque part je me dis déjà ça sera bien pour que la vision, sous cette accueil primature déjà, et ça l'a déjà moins écarté, mais sinon dans nos talents, qui travaille bien pour que Apo Naba désigne bien celui qui va former le gouvernement de l'État. Arrêtez Nirio, on a mis des jours 2 minutes 30 secondes, mais question, on a peut-être aux ascenseurs, on peut savoir la réponse qu'on a courte. Aujourd'hui, ça s'est dit déjà, vu et le constat est percutant, on a parfois expression impulsive, est-ce que Augustin Kabouya a osé la Naba rendre le Naba par rapport à Rosenberg, comme le chef de l'État l'a dit, est-ce que cette façon-là, ils vont empêcher les termes qui sont verts, les gens là sont savoir porter main d'œuvre. L'objectif, c'est le développement de la République démocratique du Congo. Na poste na ewana y a un formateur au bâti ewana, atikana nous gestion à l'UDPS. Atika manière y a gestion à l'UDPS. Parce que manière y a gestion à l'UDPS, c'est Pelissa qui pensa batouté, à gérant mon forme Moussous. Quand il a dit lui-même qu'il va consulter, il va travailler. Il va former et battre. Il va côté positif et battre pour travailler. L'informateur va essayer de régler les comptes. Le règlement va compter. Il va être en train de se faire. Surtout, on a besoin de compétences. Donc, il va être de côté. La guerre personnelle, le sentiment. Il va faire évoluer la République qui travaille vraiment en âme inconsciente. Pour accompagner la vision des présidents de la République, à Pessier quand même confiance. C'est une très très lourde charge à Pessier. À ça, là, tout pour ne pas décevoir les chefs. Tu as dit que l'élection, il y a 20 décembre, jusqu'à l'heure, tu as dit qu'il y a la requête dans la Cour constitutionnelle. Tu as évité comment il y a là. Tout ça là, il faut bien gérer pour que l'hôpital Merci beaucoup. Deux questions pour Alain Goma. Je vais déjà
tenir cette, plutôt cette question et ces sujets avec lui. Il aura pratiquement plus de 3 minutes. La première question, le chef de l'État, Kobanana, organisation d'élection, publication, investiture, l'élo nomination Augustin Kabuya, a privatisé l'institution T au profit de la famille politique. Bon, qu'on privatise, je dirais, ça peut être trop dit parce que le président de la République a dirigé un regroupement de la partie de nos réseaux. Ils ont accompagné. Ils ont composé l'Union Sacrée. Ils ont composé l'Union Sacrée parce qu'en dehors, il y a l'Union Sacrée. Ils appellent la structure, sous le regroupement, sous le salaman. En dehors, il y a l'Union Sacrée. Je vais revenir sur la nomination à Augustin Kabuya. Je pense que rôle devoir naïe, tout pouvoir naïe, je parle du pouvoir. Son pouvoir est limité parce que son rôle, c'est d'identifier la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Donc, à Roussoukawana, la majorité qui va accompagner les chefs. Konome, Nini, et c'est, ça sera, il y aura des propositions de noms, mais c'est le pouvoir discrétionnaire du chef qui va signer. Pour dire que, et qui va apprécier. Qui va apprécier, qui va avaliser qu'un tel n'a pas la poste. C'est vrai qu'on connaît le secrétaire général de l'IDPS na, avec son sang, son sang impulsif. Il est venu à la touché. Mais la logique, ce qui m'a conduit à tirer, c'est parce que peut-être il s'est dit que c'est la meilleure personne dans le moment où il faut la tirer. Et il doit rendre l'ascenseur la moto à premier. Parce que ce qui est la nomination a eu, qui va critiquer comme il l'a dans mon condamnoka, c'est-à-dire que ça va prouver à suffisance que Moussala et Moussala est à zéro. Tout le monde sur ce plateau a lobby qu'il a une lourde responsabilité. Responsabilité au hasard, il y a qu'on identifie même une majorité. Mais la première responsabilité au hasard, c'est Amibo Sana. Atta la République, parce qu'il a un sang impulsif, je venais de le dire. C'est-à-dire, à ce moment-là, la logique, il y a pouvoir en abissou. Matala, peuple congolais, a pessi, mukonzi, y a mboka, deuxième mandat. Parce que ce qui est IDPS, mukonzi, mboka, ngara, soit pessi, second mandat. C'est-à-dire, c'est le peuple congolais qui est sorti pour aller aux urnes, pour ne pas pessi, mukonzi, mboka, second mandat. Donc, comme Batsyeye, on a un informateur, à ça, la moussala, on a dingé l'ongo bandi. Parce que, ce qui a tenu un peu dans la logique, il y a un qui s'abat. On risquerait de voir des regroupements quitter l'Union Sacrée. Or, ça sera tout, ça sera en défaveur. Il y a Mukonza Mboka parce que Mukonza Mboka a besoin de seconde majorité. Il y a plutôt la majorité pour permettre à Fanny de sa politique naïe au dirigeant. Puisque ça doit se dire, puisque on doit se réfléchir quant à ces questions-là. Parce que je voulais quand même sur cette question qu'on essaie de se relaxer un peu. Le mandat n'a été émis, monsieur, va passer ça 30 jours renouvelables, il se voit, donc ça dit il ne va pas rester éternellement. Et aussi pour nous apaiser sur ce plateau, il ne va pas faire et locaux la décision un chef. Je crois qu'il va seulement faire la. Non, mais c'est ça. Oui, justement, mes confrères sur ce plateau. Donc, ça, moi, comme la rencontre, il y a donc je crois qu'à ça en coup que sa mission est un président de la République. Mais je voulais aussi accompagner le V qu'a exprimé tout à l'heure. Bon, je crois que dans 30 premiers jours, ce qu'a ça m'a vu, le président de l'État a quand même la possibilité à recharger un informateur Moussous. Pour nous encore accompagner, bah, via un déco Fifi, on va tout à l'air ici. J'ai l'impression que positionnement qu'on pèse plus sur la qualité, puisque là, le souhait c'est d'avoir un bon gouvernement, j'ai dit tout à l'heure, Fifi Alobi en haut, Premier ministre Malam, gouvernement Malam, mais puisque on est fait qu'il est identifié, je crois qu'il va faire par rapport à ma positionnement, on va pêcher plus, on va côté, il y a comme ça Premier ministre, c'est là où peut-être il y a les regrets, on risque d'avoir un Premier ministre parce qu'il y a un positionnement Macas, qui est d'avoir sur la qualité. Il y a une position, il y a ma plateforme Macas, c'est non sacré, c'est que la population et même en France à la politique, Bazo décrier. Est-ce que sortir, il y a choix, il y a Augustin Kabuya, et on a la salut pour la nation parce que tu as autant donné que le fondement, ils a déjà. Une autre façon de vous résumer, Ponanga, c'est qu'on ne peut pas faire trop confiance de toutes les façons parce que tu es entourage, Wanabi. Mais je voulais terminer quand même pour le président Bandekou Balobi.
pourquoi Augustin Kabouya, pourquoi Mouta Parti Politique, il y a famille politique, tout ça. Mais je crois que tout ce qui s'est passé dans Katia Union Sacrée, les chefs de l'État, à les trois, évidemment, de nommer quelqu'un de sa famille, puisqu'il y a déjà des doutes avec tout ce qui s'est passé. Il y a la, tout, on en avait plusieurs fois débattu sur ça, sur ce plateau, sorti à PCR par exemple. Et Bouskila qui paye Union Sacrée, bah, te dire, bah, c'est pas possible, bah, déclaration contre Yango. Je crois que les chefs de l'État à ce niveau n'a pas tort sur la pour nous la famille politique n'aille après tout ce qui se passe dans l'Union Sacrée. L'Union Sacrée où les Sungi Mokondamboka pas du tout. L'Union Sacrée, ils ont exemplarité, même si tu as peut-être que. Je vais finir avec Alain Goma. Oui, merci beaucoup de Ngolo. Une question. Quelque part, déjà, le composant Union Sacrée et Zanaba problème ébélé à son sein, PCR et DAB. Ne va pas justement s'éterniser là-dessus, mais l'élo chef de l'État, vu le mandat où il y a outil qu'on a en anglais 5 ans, est présenté quand même facette moko et tribalisme, et c'est l'ombre observateur, mais Soussou. Est-ce que Kotia Augustin Kabouya, la tête, il y a formation et composition, on reçoit ton choix, moko et c'est pour la casting et le gouvernement, et ça, c'est une façon d'influencer encore croissance, il y a tribalisme quelque part. Moi, je pense que c'est non. C'est ok, la logique. Tout ça, on attend la logique en termes. Il y a un ben, nombre de députés. Ben, ici, vous verrez que c'est l'IDPS qui a plus de députés dans le regroupement. Donc, dans la logique, informateur, à quoi que vous tapez Kouna. Mais le comble, c'est que nous tous, ce que nous craignons, c'est ce que je venais de le dire ici, c'est le choix porté à, au secrétaire général. Parce que déjà, l'entreprise publique, nous connaissons, oui. Il y a nos frères que les gens ont l'habitude de dire, et va qu'il y a une institution république. Ce sont toujours de mêmes personnes, mais où ils ont la qui sa facette, kaka, il y a un gars, moko, peut-être la famille P. Ethnique, tout tribal et chef de l'État, mais cette façon de voir les choses, comme observateur, peut être décrit à cas. Et ça, c'est une façon à influencer, et aussi longtemps qu'Augustin Kabouya a dans la tête ses affaires. Bon, co-influencer, je dirais non, parce que c'est vrai que nous tous nous décrions, nous décrions peut-être le tribalisme, oui, nous décrions, mais attendons voir. Oleka, qui c'était le premier mandat, nous sommes dans son second mandat, attendons voir ce qui tombe en lui. Ça ne sera pas trop tard parce que la République ne va pas s'arrêter. Mais la République est gothique. Et ben, en attendant 5 ans, tu coupir encore. Non, non, mais je ne parle pas, je n'ai pas qu'au coupir. C'est-à-dire, s'il faut dire un mot par rapport à ça. Parce qu'il faut aider le chef de l'État. Il faut aider le chef de l'État. Comme on n'a pas encore fait de nomination. C'est pourquoi je dis attendons voir. Mais la logique ou le souhait est que nous voulons voir que les choses se fassent mieux qu'avant. C'est-à-dire que tout sentir que pourquoi pas donner la primature à un écon. Le tout ou toutes les décisions, c'est le chef. C'est le chef Yemonda Ozaba décision. Parce qu'il a ce pouvoir-là de se choisir ma collaborateur. Merci beaucoup. Je pensais peut-être qu'il y a l'ingo à part au Bakisaton par rapport à Maloba Fifi Kalungwe, ou à l'Obaïke, Augustin Kabouya a une lourde charge. Lourde charge, voilà. Et ça peut être composé gouvernement, dans l'institution à la République, ou quoi, accompagné chef de l'État, na gouvernement, tout casting, ou les amis, etc. Bah, trouver la carte, mouta palou, bah, trouver la carte, mouta PPRD, bah, trouver la carte, mouta ensemble, bah, trouver la carte, et ça, au chef de l'État, pas singagi, na mon investiture, peut composer, ça, la une force, puisque tout tous les Congolais, le pouvoir doit se départager afin que de créer équilibre la société à la population. Deuxième sujet, je l'avais dit et on va encore en parler. IGF et Dinacop, ça sent l'embrouille financière à l'EPST. L'IGF boucle le bureau du comptable et on se pose la question, pourquoi Rudy Nonzeï? Est-ce qu'il y a une réponse? Oui, il y a une réponse. Et où Bandaki en échange, il y a ma BO ministre à EPST. À Salaki, lui a indexé les inspecteurs, il y a IGF qu'ils avaient ravi, c'est le verbe qu'il a utilisé. Vous avez ravi les 1000 dollars auprès du comptable. C'est normal que l'IGF vienne maintenant voir comment est-ce que cette somme a été ravie. C'est normal. Exactement. Oui. Parce qu'il fallait qu'il y ait la procédure. La justice doit trancher cette affaire. Exactement. Ça ne doit pas se limiter
Calais PST et à l'IGF. Il faut que l'IGF ça c'est ça qui parle, c'est ça exactement. Oui, il faut que la justice s'y imprenne pour que le spectacle modèle Oana et Salamaté. Nous avons un pays qui a beaucoup de problèmes et on voit un ministre citer des sommes bien que et dans mon mot et que qui consomme peut-être bat au bat d'indi na mal et que qui consomme bat au misus au bat na marambo belé mutaye azoka ngani carbone qui baya kakoravi. Donc il y a une poubelle qu'il faut là où on vient puiser l'argent là-bas aller pester pendant que bat au avec le ministère aller pester zara na bat papier banine. Quand vous citez, tout beau était frais à fonctionnement, bah ministère des alak. Mais tant on doit être ravi, c'est que fou les avant pour belle monnaie les avant et quoi ou bien c'était quoi au bout comme bon. Le temps, merci beaucoup Rudinosé, le temps de prendre aussi. Point de vue à Fifi Kalungwe, je veux notamment parler aussi, plutôt on va aussi parler de ces grands sujets, hein, où il a réaménagé son gouvernement, mais avant tout j'aimerais avoir point de vue à Fifi Kalungwe concernant l'IGF et l'affaire opposant, l'IGF n'a épesté. Est-ce que l'IGF a coquillé dans une autre façon de se parler en lieu et place à ressaisir par le général pour sceller le bureau à Dinacop? Merci Edwis. Nous tenions sur le dossier à IGF EPST, Tony moi by Alingeti. Bah on parle bah on le Belaka deuxième rang. Alingeti pardon. Deuxième rang. C'est-à-dire Rando Moro Bolije Zalaka ou Ezo Yasuko. Tous les deux ne respectent pas procédure ya Mibeko ya Mboka na Biso. Bah lobby comme l'IGF, c'est vrai, il a la mission de contrôler. Il avait au départ raison la Maramuna Union comme il disait. Mais pas la compétence d'aller CL. C'est né ça et ça parquet. Bon, justice que tu es autorisé à la qui ça à côté à épesté pour que à démontrer bablo quoi bah frère bah finaliste bablo quoi bah t'es n'a fait bablo quoi bah oui oui ça n'a pas seulement la présomption il a encore les a présomption donc il a le temps de faire son travail. Exactement. Pour démontrer après la justice aura le temps aussi d'agir en tant que justice s'il faut qu'on sceller ou encore qu'on s'en dégagne ça donc façon car un aigné Tony Mwaba, Jisaki au départ, il avait également pris la place de la justice. Il y a qu'au jugé l'inspecteur Boué moi j'avais trouvé comme il fouille qui je me demandais agitation avec qui dans le quoi là mon papa zate ben maman tout le monde va côté de ça papa y est maman ouais 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 ayo qui même pas version bamsou il a même fait même refuser il y a royo comme inspecteur là bas on sait même maloba ah mais non je ne suis pas ton ami il a refusé même qui maloba il y a tikaleka na version il y a Obama Bengela qui est comptable. Le comptable là ce n'était pas un mineur mais maintenant notre dossier la justice est écrit c'est inscrit na combo le dossier est inscrit na combo il y a comptable ils ont soutenu moi batté mais comptable pas du poudre est-ce qu'on peut Akimi dossier au souka si qu'on va lobby bah on va que n'est pas scellé dans le sens que bah on va lobby que le col Akimi il y a qu'on va kangi à côté du sousou anaté même seulement bah oui procédure que bah de la vie qu'on va lobby procédure ce n'est pas les chefs qui devraient kocha kumba non, c'est le parti. Donc, les armes, c'est la justice, Benza, Azwaton, Afandela, Kamba Sengi, les chefs. Toi, mission est à contrôle. Il a tous ses droits là de contrôler. Qu'ils prennent son temps. Bas salandé macam. Bas longola. On te relève la caméra mounyaso. Bas longola. Maintenant nous barrons nous émiquer, miquer liboso. Bas contentieux, bas conflit d'intérêt. Bas qu'on a ministre azo bas qui azo IGF faisant la montagne azo préparé pour que aya pour remplacer la chaise et aya pester. Voilà pourquoi on va nier. C'est déjà la fin du mandat. C'est déjà la fin du mandat bien sûr, mais d'abord la fin du mandat. Qui a démissionné toi relève la sous macam bouya. C'est encore un conseil d'État. Il y a Conseil d'État à Boyaki lettre il y a premier ministre exactement à non il y a Senga qui va autoriser bah cumule la fonction bah toi la République ou anaké République na biso eza il y a interdiction et cumule la fonction bah donc lettre n'est pas qui rejeté pourquoi bah tu vas dire qu'on s'éternise à la poste même quand tu ne fais pas bien. Il n'y a pas d'autres gens qui peuvent remplacer dans ma poste. Et voilà pourquoi les gens s'entretuent pendant que nous avons besoin du développement de notre pays, du développement de la République. En tout cas, moi je pense que l'IGF, avec le ministre de l'EPST, Bazouaton, hein, justice à Zouaton, vraiment, afin de se montrer. Si l'EPST a des preuves qu'il y a, on va voir ça.
Si le PST, comment, l'inspecteur constate qu'il n'y a rien, bon, on accepte qu'il n'y a rien. S'il y a quelque chose, on verra qu'il y a quelque chose. Bati kano bagar wana o ya ko zanga ko respecter ami be ko ya l'état parce que tout ça dans la République quand même o ba loi les a respecté, ce n'est pas un problème. Les divergences mettons de côté à l'ngoma la votre kanisayo un peu hein pour l'Italie, IGF na EPST présumé détournement il y a ba fond alloué dans fonctionnement EPST. Déjà, ça sent l'embrouille au sein de l'EPST à Mokaka. Les comptables disparus. Et on ne sait pas. Est-ce que IGF n'a pas beaucoup d'erreurs à la preuve au sein de la Kamene à Kamamouti Nasuka? Soit il y a une façon de vous faire disparaître à Kamoussous. Je pense que IGF n'a pas prérogative. Il y a une patrouille financière. Oui, exactement. Tant que ça, la patrouille financière qui a découvert Kokosomoko, il y a un Kokosote. Logique est là. Qui sont là, Kokosana Kokosote. Nous avons tous vu la vidéo ici, il y a un ministre, il y a un EPST gueuleux sur les inspecteurs. Mais aujourd'hui, le comptable a porté disparu pour un. L'IGF a les prérogatives, il y a interdire le comptable à côté de la bureau pour éviter aussi ma document sans le temps par là pour essayer de les falsifier. Parce qu'on va pouvoir, on a bossé une entreprise où il y a même DG Kokota pour signer les documents et les avoir. Même les entreprises où il y a une banque, un compte, un banque, ils ont été gelés. L'IGF a ce pouvoir-là. Aujourd'hui, l'IGF ne dépend plus du ministère, il y a finance, pas dépendant de la présidence directement. Donc, quand un ministre a un peu un inspecteur qui a le contrôle, non, ministère, c'est qu'à zoté la présidence de la République. Donc, présidence de la République, c'est qu'à zoté la présidence de la République. Non, à un certain moment, tout ce qu'il y a, c'est qu'il y a un peu de temps pour que tu te dises, ah, c'est-à-dire, logique, si tu ne te reproches rien, laisse les agents de l'État faire leur travail. Et puis, imagine tout, si tu es un député, bah que nous siégeons dans l'Assemblée. Bah tu sais que la secrétaire générale va s'amuser là. Si vous voulez rester ministre, il fallait pas postuler pour pas être député. Aujourd'hui, bah maintenant, bah on les a validés. Qui aille siéger dans l'Assemblée nationale, bah tu sais que là, je donne chapeau bas, je félicite le Conseil d'État où il y a beaucoup de salaires qui font la fonction. Parce que c'est pas normal. On va te payer en tant que ministre, on va te payer en tant que député. Dans la commune, il y a un lobby, le gaz de footballeur, 33 000, 40 000, dans la famille, là-bas. Non. L'ISF a écrit en bonne et due forme correspondance, bah, tiens, on a les réseaux sociaux. L'ISF avait écrit le 24 janvier. Nous avons tous vu la correspondance. Que tu as enquêté par rapport à Eloko Boebo, Dinanine, Eloko Boebo, Dinasos. Nous allons voir les Québécois de la dynastie à nous allons venir enquêter sur ça. Ils étaient au courant. Est-ce que pour que l'IGF vienne enquêter, il faut pas autorisation par ministre? Non. Ils ont ça là, l'État va être ça là. Bah qui sont que Kouna Mboba Mouezali, ils vont chercher à voir les documents et enquêter. Ce qui fout les Ali. S'il n'y avait pas un flou, comptable à ce moment-là, il serait. Il y a quelqu'un quelque part, tu y habites à Zawap. Si réellement ils étaient dans le vrai, avec l'arrogance au ministre à Yenango, tu y habites un politicien congolais, va fonctionner. On va au monde. Ça y est, mission. On est là, document à moi, on est là, mais jusqu'à ce jour, tellement que la zone de la vérité, tu sais qu'il y a un guide sur roche. Merci beaucoup, Alain Gouma. Je vais aller rapidement avec Lionel Ngolo pour que tu sois dernier sujet au Zayangoubila. Votre point de vue. Aussi, ma dernière question avec ces sujets. Le comptable est porté disparu. Le ministre ne veut pas qu'on puisse parler de cette inspection à IGF, mais aussi longtemps, on a déjà élu député. Et ça a été une façon de regarder à grand vide au IGF Paza à Moni Claire, à la Poussa Landilanan. En tout cas, pour déjà répondre rapidement, j'ai un point de vue tout à fait contraire à Ndeko Balogi, à Vanga, et surtout à Ndeko Alengoma. Moi, je pense qu'il faut évoluer. Il y a débat. On ne va pas répéter tout ce qu'on a dit.
dans le plateau, Azali, pour la position naïe, s'il faut prendre le côté IGF, toi, PST, moi, en tout cas, je ne suis pas dans ces débats-là. Mais il y a une disposition, il y a un conflit d'intérêts qui nous dit, les avancées dans la résolution de tout conflit dépendent avant tout de parties en conflit. Moi, je pense que pour toi qui est Nango, toute la solution, puisque c'est ça même le souhait, situationnel le cas, conflit. Ça dépend des deux parties. Voilà. Mmh. Mais après, quand même, je vais, puisque moi, on a toujours dans chaque circonstance, rétablir, co-établir ma responsabilité. Dans un exemple, il n'y a pas l'ami Bailandak Baswani. Bitoumbe, comme il n'y a pas un voisin, ce que papa a dit, tout maman, ce que papa a dit, tout maman a dit, c'est ça, ma maman dit qu'il faut pas calmer en gros. Mais je crois, IGF, les alliés, institutions, ils allaient déjà depuis que la Toye, bien en gros, mais tout le monde, chef de l'État, investir ma casse depuis qu'il y a le pouvoir. Dans le Kamba, IGF, le lot, est comme vraiment référence, même pour une image, quand on parle de l'IGF, on fait savoir, évidemment, volonté à chef de l'État résoudre la situation, il y a Kanyoka, Mouyibi, tout ça. Mais EPSTP, puisque le chef de l'État, on va rappeler, Azali, Garin, bon fonctionnement, évidemment, et institution. Mais pourquoi le chef d'État fait avant de silence en tout, et surtout que Baron Balé Bata proche Naïe, ils font partie, il y a famille Naïe. Mais pourquoi ces silences, il y a chef? Moi, je crois peut-être pour une fois. Toujours aller dans cet élan. Moi ici, je voulais m'adresser au chef de l'État, ceux qui basent au côté, parce qu'il ne faut faire appel à Baron Balé Bazali, qu'on a basé pour respecter mes deux côtés. Voilà, le chef de l'État, pourquoi pas les suspendre? Parce que Baso respecter mes deux côtés, ou on a basé cracher peine image à chef de l'État, c'est toujours important. Le Baron Ndeko, après, Ndeko Elvis me dit pourquoi faut-on le blâmer à Makambo, puisque nous habitué Nango. Il y a pas longtemps, tu as eu un scénario entre Ngobi là, Nage Koko, au couti de l'hostilité, Godepo, écoute, tu vois, qui signe des coups. Et ça, c'est la vie de nos politiques. Moi, je crois qu'on ne peut pas perdre notre temps sur ça parce que chacun vise son intérêt. C'est ça la réponse à cette question. Donc, dans le cas, intérêt. On ne peut pas laisser les gens là-bas. Bon, oui, absolument. Nous appartient. Exactement. Donc, je vous rejoins dans le sens qu'il faut tout le monde dénoncer. Mais finalement, ça fait très mal puisqu'il y a des gens capables d'interpeller Bango qui ne disent rien. Il y a des silences qu'on puisse derrière tout ça. Dans la Suisse, on a une session, on a M. Lobby, Libanga et vu Tchakou de Kekolobate. Je crois finalement ils avaient ma campagne tout même. On a la tali bango loko là, bango le ibango aussi bango nga inde chaku na koloba na kotala ngo nga na comme pigeon na koloba le côté pour ça batoyo. Le soir, Babenga na bango chef de l'État, il parle avec des chefs de l'État, approche à chef de l'État, finalement on va aboutir à rien puisque en quelque sorte j'ai l'impression que l'un comme l'autre est protégé par les chefs de l'État. Vous avez qu'il a compris la réalité d'interprétation. À l'objet quand même, Madame Tali Ville qui tient, pardon, on va en accoutouter, Madame Tali Ville, gestion ville qui tient ça, il n'est pas directement lié à ça, mais Madame Tali Ville qui trop, c'est trop, qu'est-ce qu'il a fait? Il a agi à Bénin de Congo Bila, à coûter lui-même là, dans la société, il fallait qu'il va s'occuper de la débarrassage, de la nettoyage. A lui quand même, il était là directement, depuis que la ville qui tient, c'est ça, on a un gouverneur, mais pourquoi intervenir? Parce que de toute façon, à Moni trop, c'est trop, les gens en parlent. À quoi il peut qu'on réagisse? Ça n'enlève rien, ça n'enlève rien. On ne sait pas qui a raison, qui a tort, comment il va s'impliquer pendant qu'ils sont en justice. Mais sinon, on ne peut pas aussi rester avec cet élan. Augustin Kabouya en avait fait, à son temps, on a Ezaki Kara le même problème. Mais parce que ça, depuis tout le temps en justice, qui a la fin, Marlon Sébastien Tunakaï? Tout le cas, c'est un arrière, un gobi, la réhabilité, la fonction, il n'a pas sanctionné. C'est comme ça.
C'est la vie de nos politiques. Moi, je n'attends rien de toute façon. Mobile, attendez, ça n'a ni résultat justice. Barbara Requête n'a pas encore personne. Les sanctions n'existent pas dans ce pays. Les sanctions sont seulement quand on a des. Satisfaction. Quand on a des problèmes. Quand on a des conflits, tout simplement. On ne peut pas nous opprimer, hein, pour ne pas dire on dénonce. Et on va parler, on va prendre ces derniers sujets. Je crois que nous aurons une minute à chacun. S'il vous plaît, Ngobila réamène son gouvernement. Je commence avec Alain Goma. Est-ce qu'aujourd'hui, Ngobila, déjà à la porte des sorties, à Mukia, à Bungisaba Bagage, à l'interne, ou il voulait faire quoi exactement? Parce qu'il nous reste quelques mois justement pour qu'il puisse aller. Tant que nous avons un cataviso, nous avons un bagore. Nous avons un tatiga au bout de la logique. Nous avons un silique. Nous avons un mouvement en forme de gorille et adversaire. Parce que nous avons un peu de temps. Nous avons un forme de temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, Ngobila a joué son coup. Il a prouvé à la face du monde. Il a prouvé à la face du. Il a prouvé à la face du monde que nous sommes salagi, salagi pamba. Il y a une vidéo, il y a écouté circuler dans les réseaux sociaux. À la tache mise moi jaune à l'oba. Il y a ceux qui a coté bitumba. Apollo a on a passé. Et là, les lots n'ont vu naie. À la qui subit ceux que ceux qui a coté bitumba. Apollo a on a passé. Il y a mon robot zongi si le. A zongi il y a pas zongi si batunaie na ndenge naie. Donc ça prouve la suffisance que allons-y Kinshasa, allons-y va détracteur naïe, surtout que l'assemblée provinciale, oh, pasteur Godon pour y avoir notre chaîne mal à l'aise, Biroda chez Bini, donc Vatini Ngobila est là, il trône à maître, bon, en quelques mois, il y a un mandat naïe aussi là. Mais ce qui est vrai, la minute à Zama nous à Kinshasa, toi et moi, monsieur à Salaté, Lionel venait de dire, et ça vient à ma politicienne, monsieur, le politique congolais. Il y a plus d'intérêt dans le monde. Et dans une vidéo circulaire, il avait encore dit que le chef m'a dit de saisir, le président de la République m'a dit de saisir la Cour constitutionnelle. Quand quelqu'un vous dit que le président de la République m'a dit, bah, filmé. Donc il s'est dit que du fait que la Cour en a conduit, quelque part, nous a protégé. Et aujourd'hui, géopolitique, même alors qu'il y a une émission précédente, géopolitique ou pas, mais la politique a primé. Sur les intérêts du peuple congolais. C'était une bon, minute. Parce que il est là où il est. Révisible et au vivre en haut. Merci. Tout ça, Robin. On prend Henri Dinosey. Il a la porte de sortie. Il a réaménagé ma bagage. Pour nous, on s'est fait encore une fois. Est-ce que vous avez une façon, on a dit un questionnement, il y a encore une fois un bagage pour que. Aluka lolenge wa tuko vimbi sa famille politique. Il y a tout à qui redevabilité. Il fallait que ça là, on va quitter. Bon. Dans tout ça, moi j'aimerais qu'on tire une conséquence. Les députés provinciaux au Baoya, balu que la sonne au gouverneur au Mutuna et au Salapon en Soussia Mbouk. Mais quand quelqu'un vient pour que Asalapon va mona et baye baye bim quoi gangster mon boy, c'est ça les résultats. Comment on a à quelques deux mois, il y a que Bimaoti qui fonctionne. D'abord, les noms sont cités dans Bamarambo. On voit des vidéos par-ci, par-là. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que la ville de Kinshasa n'a pas de chance. Je l'ai toujours dit. Tout le monde, député provincial, l'équipe, ça n'a pas de chance. Quand est-ce qu'il y en aura? C'est ça aussi le problème. Est-ce qu'il faut attendre ce deuxième mandat ou quand est-ce que la ville de Kinshasa aura. La ville de Kinshasa, elle est là, elle existe. Mm. Elle ne peut pas s'arrêter parce qu'il y a quelqu'un qui veut fouler au pied, qui veut fouler au pied sa probité morale. Tant que vous n'avez pas prouvé, vous pensez que quel que soit ils ont un impact moral. Nous avons, qu'est-ce qu'on n'a pas vu avec l'ancien président Waouti Kobima, député national? Même Bandimbo, on a un parent, un papa Bokilo de Sirkwa ou un pasteur à Rokoye Mbangote. En guerre contre le gouverneur. Il y a le gouverneur qui a été en train de se faire. Tu es congolais qui n'a pas géré la ville où tu es moi en Gobila. Parce que là, tu es un animateur d'institution. Là, au tant que tu es en train de se faire, tu es un animateur. Pour mon sous, il y a un casquette, il y a un animateur, il y a une institution, il y a une ville à Kinshasa.
oh batunyon sona mokili ba ebi er Congo Kinshasa Congo Kenda ça ma province nous sous batu ba ebi te peut-être ba ebi Kinshasa mais batu ba gérer en haut loco la na ebi te so yeza rando nde ba kinwa ba lubaka à la kinoiserie tout ça on en a plus besoin que les députés provinciaux il y a siècle oyo il y a mandat oyo ba mégano ozonga pe batu ba tala sima ba tela so gouverneur à malam candidat gouverneur pe à malonga pe ba ya tout ça sur la poste ba to ba ça ba gangsterisme c'est entendu merci beaucoup c'est marrant c'est beaucoup plus ignoble et regrettable. Très aberrant de voir que la République et les institutions nous donnent et nous offrent une scène à théâtre des chenilles. Puisque ma bouquet, je vais prendre Pifi Kalumbwe. On en a assisté beaucoup de scènes, plus que des théâtres. Ngobila qui s'apprend à Kodempoui et Jekoko s'en prend à... Bien avant, c'était celui de Matete, son adjoint, Nerongongo, et aujourd'hui, Ngobila veut partir. Il veut réaménager son gouvernement. Pour quel but? Selon lui, il a dit qu'il a respecté le mot d'ordre du Conseil d'État qui avait rejeté cette demande-là de cumul des fonctions. Voilà pourquoi il a remanié son gouvernement pour que les députés ou encore tous qui sont élus, dont le mandat ont été validés, qu'ils aillent répondre à ma poste, à mon SIKA. Parce que on ne doit pas payer doublement les gens. Est-ce que vous ne pouvez pas remanier le poste des élus seulement? Mais ce qui me fait mal, c'est que aujourd'hui, par rapport à ça, quand on est au bac, dans ma vidéo, j'avais vu quelque part, Babo Télévision en côte, ou j'aurais fait en côte. C'est quelqu'un, oh, Alingi, coup sur coup, aujourd'hui, il a transformé l'hôtel de ville de Kinshasa à l'hôtel de ville de la CPI. Parce que la composition du gouvernement, on a un ministre, Bélé Bazaka, il y a parti. Je me suis dit, ça, la réunion est partie dans l'hôtel de ville, dans le gouvernement, je ne sais pas. Et là, on est à l'Ingara-Salouana. Parce que la ville, c'est vrai, ceux qui ont l'Ingara-Salouana respectent les décisions, il y a le conseil d'État, il y a le conseil d'État, il y a la fonction, mais les procédures sont salées, il y a le monde. Parce qu'ils ont préparé les gens parmi le gouvernement, il y a Charles Boutamout. Pendant que le bateau va invalider, qui on a les 82 là au bazar qui coûte ça là ben interdisait qui bango bas ça là mais au on a tout ça là il y a eu qu'au bas qui c'est encore une question ah y a que ça là pendant qu'ils ont des problèmes et aussi on a entendu que bah requête il y a na cour constitutionnelle bah ou bah c'est déjà qui qu'on a morotté et petit mouvement sanctionné dans une fonction nommé pour une autre fonction toujours là où il y a des problèmes lui-même en tant que gouverneur il a des problèmes dans la cour constitutionnelle ah bah qui si sous bah oh yo bah zapeka n'a pas problème c'est déjà la pourquoi fin. Merci toujours patauger dans la boue pendant qu'on veut le développement de la République. Merci beaucoup Lionel Ngolo, on finit avec vous, qu'est-ce que ça vous dit? Nouvelle nomination au sein du nouveau gouvernement Ngobila. Alors, on a mis un minute avant de répondre à la question de nos hommes. Déjà, je précise que le débat des hommes, moi, ne m'arrange pas. On n'a pas de choix. Allons-y comme ça. Je voulais quand même rassurer aux gens qui nous regardent, il n'y aura pas de sanctions contre l'un ou l'autre. Il n'y a que des sanctions qui tombent quand on s'oppose. Quand la CENI invalide Ngobila, ce n'est pas une sanction. Il vient d'être réhabilité. Je voulais dire dans ma logique, il y a quelles sanctions quand on s'oppose au chef ou quand on s'oppose à sa vision ou à on change de lutte. La justice fonctionne normalement, chef de l'État numéro un, le premier citoyen de la RDC n'a pas confiance à cette justice et même si au tel bilan là où il n'a pas réussi c'est ça qu'on redresse justice lui-même en qualité de chef de l'État qui peut aussi appeler dit il regrette de ce travail de la justice il va mieux passer que regardez même ceux qui ont quitté même Bakan et Bachef et Bango, Bakanam Lelo, regardez bien, observez
évidemment, ils ne sont pas plus mauvais que ceux qui sont autour du chef au Barça Style. Alors, je réponds à la question. Oui, réaménager, pardon, gouvernement Naïe, moi je pense que c'est son droit. Puisque le club a rétabli la fonction à gouverneur, s'il pense qu'il n'a plus confiance et à gouvernement Zalango, il a c'est son droit il a qu'au changer Ango, même si ce qui est posé problème, même si déjà il faut pas qu'il y ait un plateau de exemple été. Moi je fais toujours référence à ma gambassala comme gouverneur à Maïndombe. Pour moi, ce n'est pas un exemple. Je ne sais pas, réaménagement Rosalana et Kotia à la rue pendant combien de temps, je sais que c'est une courte vie. Mais dans ma course, c'est pas notre souci. On a bandé connu surtout Anna. Au bas, on a pour leurs propres intérêts. Au bas, Tika, peuple, Bongo, le bas, même ici, Cédric, Kambou, Chancel, même charge. Il y a situation S, c'est qu'on a l'autre ici, n'a qu'à tout ça, de l'autre côté, tout ça, comment on dit, tout ça, fête, n'a pas bango, vivre à l'aise. Merci. C'est vraiment la politique de la chaise vide. Ne paye pas parce qu'on a un projet de société. Il faut contribuer à l'avancement de la République. En tant que jeune, ça, ce n'est pas une belle initiative. Malheureusement, on a ramassé tout le temps de vie. Ils peuvent être facilement. Et puis, quand vous voulez, laissez-moi. Malheureusement. Soukanon, moi, j'ai pensé que ce soit nommé gouverneur. Non, on a législature. Au lieu que tout est sous ma élection, mon quoi, les candidats, même Bazoya, sans projet de société. C'était le dernier point de vue de l'émission. Merci beaucoup, FM Débat pour fin. Bando Tepa et Nabino, petit mais en colosan, mais accompagné Binoni, il a le droit d'être et seul sur la terre. Au revoir.